L'univers du livre, des livres de l'ignorance et du vice. Il y a des livres qui sont des lanternes entre ciel et terre. C'est pas pour parodier, mais il paraît que le respect de la parole de Dieu, audible dans la Bible et le Coran, rapproche du paradis d'après ce qu'on m'a dit. Dans notre quotidien, c'est les sujets de livres qu'on devient. D'ailleurs, si tu te livres à commettre la moindre faute, que tu sois lucide ou ivre, c'est un livre qui te condamne ou te délivre. Ces livres sont déjà penchés sur les infractions, crimes et délits. Ça peut te sembler bête, mais c'est grâce à un livre que tu as su lire, écrire et philosopher. À chaque année d'études, c'est un livre qui te permet d'avancer. Alors laisse-moi te faire le serment que si les livres formaient une église, nous serions sûrement ces servants et fervents fidèles, aussi aveugles que ces religieux que la religion en toute région ficelle. Voici pourquoi moi, ma question reste inchangée. Sommes-nous libres de vivre sans les livres? Des livres, nous sommes des milliers de prisonniers. Il y en a même qui disent qu'ils en sont carrément passionnés. Ne réalisent pas que les livres, lorsqu'on les lit nos vies, nous donnent des conduites à suivre, donc un sens. Et nous, on clame partout qu'on est libre d'après ce que l'on pense. Les livres, il y en a des milliers et personne ne peut le nier. Et même si nous sommes plus de 6 milliards, ces livres sont rarement similaires. Utilisés jusque dans les lieux occultes, les livres nous inculquent des valeurs et parfois nous traitent d'incultes. Dans les tribunaux, nous inculpe, et même au culte de ton mariage, on t'en remettra encore un. Bien qu'il y ait des livres que j'aime bien, qui m'ont rappelé d'où je viens et à mon insu m'ont appris qui je suis, Kamit Kam Kem Bantu Pounou et nègre descendant des reines nubiennes. Mais malgré tout, moi, ma question reste inchangée. Sommes-nous libres de vivre sans les livres? Tous ces mots additionnels, je les emprunte à un livre appelé dictionnaire. Il définit, pense à ma place. Je me contente de le reprendre, donc je prends souvent sa place. Fais mon jeu de mots, loin d'être des mots sans enjeu ou des mensonges. Je songe à la véracité des mots que je range, loin de la passivité. Passivité et ces livres prétendent pacifier le monde, mais il ne faut pas pacifier. J'en connais qui ont falsifié une histoire pour sacrifier des heures de gloire et magnifier d'étranges histoires. Mais personne n'a su déceler les plans. Pourtant, les livres sont écrits en noir sur blanc. Bref, les livres abordent des centaines de thèmes, parfois allègent même certaines de nos peines. Les avoir dans nos bibliothèques est une véritable aubaine, j'en suis convaincu, et je n'en doute point. Mais j'aimerais tout de même revenir sur un seul point. Sommes-nous libres de vivre sans les livres? Kemit.